Le noircissement de la peau du cou est un problème plutôt commun, dénommé acanthosie nigricans. Ce problème de santé ne présente pas un vrai danger pour ceux qui en souffrent, mais il provoque de lourdes conséquences psychologiques et une baisse de l'auto-estime. Étant donné qu'il ne s'agit ni d'une infection ni d'une maladie contagieuse, les causes de l'assombrissement du cou peuvent venir d'une exposition prolongée au soleil, un déséquilibre hormonal, la grossesse, l'utilisation de la pilule contraceptive, le diabète. Ce problème est souvent accompagné du noircissement d'autres parties du corps. Voici certains des remèdes de maison les plus efficaces pour traiter le noircissement de la peau du cou. Le citron. Grâce à ses propriétés blanchissantes, le citron est le remède idéal pour traiter le problème de noircissement de la peau, car il aide la peau à s'éclaircir de façon naturelle. Souvenez-vous de ne pas vous exposer directement au soleil après l'application de ce remède. Vous n'aurez besoin que de jus de citron et un peu de coton. Procédez, pressez un citron, puis plongez le coton dans le jus. Appliquez le coton imbibé de jus directement sur le cou. Ajoutez de l'eau au jus de citron si vous avez la peau sensible pour éviter le rougissement et l'irritation de celle-ci. Laissez agir le jus sur votre peau pendant 10 à 20 minutes. Lorsque vous avez terminé, lavez bien la zone à l'eau froide puis appliquez une crème légère. Voir aussi, comment éclaircir les aisselles sombres avec ces remèdes naturels. L'avoine. L'avoine est excellente pour la santé et particulièrement pour combattre le noircissement de la peau, car elle agit comme un exfoliant naturel qui aide à éliminer les cellules mortes de la peau. Ingrédients: avoine moulue en gros morceaux, pulpe de tomate, eau, crème hydratante. Procédez: mettez l'avoine moulue en gros morceaux dans un bol, ajoutez la pulpe de tomate et mélangez jusqu'à obtenir une pâte consistante. Appliquez la pâte directement sur la zone du cou puis massez pendant quelques minutes. Laissez agir pendant 15 à 30 minutes sur la peau. Tout ce procédé aura un effet exfoliant et éliminera les cellules mortes. Ensuite, rincez bien la zone traitée, puis appliquez une crème hydratante et massez de nouveau. Le yaourt. Le yaourt est un agent nettoyant très efficace pour aider à éclaircir la peau, et le fait de le combiner avec du citron optimisera les résultats. Pour essayer ce remède, vous aurez besoin d'une demi-tasse de yaourt et une cuillerée de jus de citron. Procédez: ajouter le jus de citron dans le yaourt. Remuez bien puis appliquez directement sur le cou. Laissez agir pendant 15 à 20 minutes, puis nettoyez la zone à l'eau. Les fruits ont souvent été utilisés comme cosmétiques pour adoucir la peau, revitaliser et améliorer sa texture. Certains fruits comme l'avocat, la banane, l'orange, la pomme, la papaye, etc., contiennent des enzymes, minéraux et vitamines naturelles qui aident à améliorer la santé et le tonus de la peau. Masque à la banane. En mélangeant de l'huile d'olive avec de la banane, on obtient un masque riche en éléments antioxydants qui vous aideront à avoir une peau plus douce, saine et revitalisée. Pour ce masque, vous aurez besoin d'une banane mûre et d'huile d'olive. Procédez: prenez la banane et écrasez-la à la main jusqu'à qu'elle ait une texture de pulpe. Ensuite, ajoutez un peu de l'huile d'olive et mélangez le tout. Appliquez le mélange sur votre cou et laissez agir pendant 15 à 20 minutes. Nettoyez la zone traitée à l'eau puis séchez-la. L'utilisation quotidienne de ce masque aide à nourrir la peau et à réduire le noircissement du cou. Essayez aussi ces 5 masques à base de banane pour embellir votre peau et vos cheveux. Masque de fraises et papaye. La papaye contient une enzyme, la papaïne, qui est très utile pour éliminer les cellules mortes de la peau. Les fraises contiennent des substances antioxydantes qui aident à la réparation cellulaire. Ainsi, cette combinaison est excellente pour obtenir les vitamines et les minéraux essentiels pour nourrir les cellules de la peau et éclaircir les zones sombres. Pour ce remède, vous aurez besoin d'une papaye et de 2 fraises. Procédez: écraser la papaye à la main jusqu'à ce qu'elle ait une texture de pulpe, et faites de même pour les fraises. Prenez une ou 2 cuillerées de pulpe de papaye et ajoutez-la aux fraises. Mélangez bien puis appliquez le mélange directement sur le cou et laissez agir pendant 10 à 15 minutes. Si le problème du noircissement de la peau du cou persiste après l'utilisation de ces remèdes maison, n'hésitez pas à consulter votre médecin de façon à écarter tout problème sérieux. 6 conseils qui aideront à garder la peau de votre cou jeune et lisse. La peau de votre cou peut aussi connaître des signes du vieillissement.
Découvrez comment éviter les rides du cou naturellement. Lire plus Let's Block ADS. Why?